Bon bah salut à tous, c'est MJ Carp Fishing. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve sur le plan d'eau de l'étang de la Vallée à Lavardin. Donc si ça vous intéresse, je mettrai le lien en description. Donc là on se retrouve pour le petit 72 heures. Donc comme vous pouvez voir, j'ai installé les rodpods. Et puis on va faire quelques belles images de ce plan d'eau, vous montrer avec quels parfums on va pêcher. Et puis on se retrouve après les amis. À tout à l'heure. Bon bah voilà, je vais vous montrer avec les parfums auxquels on va pêcher. Donc là, montage simple, Bouillatica Red. Donc je vous la montre dans le seau. Voilà. Pour la deuxième canne, on va pêcher encore un montage simple, Pineapple Nut. Donc je vous la montre dans le seau. Passer aux cannes et puis on vous reprend là. Bon bah pour les autres cannes, donc là la Apache, tout est en diamètre 20, j'ai oublié de vous le dire. Apache, un montage simple encore. Vous êtes à moitié orange et marron. Et l'autre bouillette, la Candice X, jaune, un montage simple. Une bonne couleur. On va poser tout ça et puis on se reprend s'il y a du poisson les amis. À tout à l'heure. Bon bah voilà, on commence à débuter le début de nuit. Donc depuis qu'on est arrivé, on a tendu les cannes à 16 h. Donc depuis 16 h, on a fait deux départs, une casse et une décroche malheureusement. Donc au bord sur deux amont blancs de plus de 10 kg. Donc là on va commencer à débuter la nuit. Donc on se retrouve s'il y a du poisson et j'espère qu'il y en aura parce que ça promet pour la nuit. Donc on se dit soit au prochain poisson, soit demain matin. A tout à l'heure les amis. Bon voilà, après les deux décroches des amours blancs, voici cette jolie petite commune de 10 kg. Si elle veut bien se laisser faire. Tiens. Massive. Gros poisson. Voilà, jolie commune, très excitée encore. On va vite la remettre à l'eau, faire quelques photos, et puis on vous reprend après. Voilà, remise à l'eau de cette petite 10 kg. On va la remettre gentiment à l'eau. Allez, on dira nécessaire et puis on se retrouve pour le prochain poisson les amis. Bon bah voilà. Après la magnifique carpe de tout à l'heure. Encore une commune. Oh, dans les 3-4 kilos. 5 kilos. Je sais pas, on varie. Là je l'ai pas pesé parce que voilà. Mais encore une sacrée. Belles écailles, les belles écailles. Des beaux poissons à l'étang de la Vallée. On va refaire quelques photos et puis la remettre à vous les amis. Bon bah voilà, troisième poisson. Cette fois-ci, un boil off surgeon. Voilà. Un petit berry. On va vite le remettre à l'eau, prendre quelques photos et on se reprend pour le prochain poisson les amis. Bon voilà, quatrième poisson. Non, cinquième poisson. Je vais vous présenter une carpe que j'attendais depuis l'âge de mes 8 ans. Alors je ne sais pas si c'est une carpe argentée ou une carpe koi. Mais regardez cette beauté, cette magnifique carpe. Pour moi, ça ressemblerait plus à une koi parce qu'elle a la queue noire et blanche. Elle a des taches blanches. Magnifique koi. Franchement, je suis hyper heureux. Je fais même un petit bisou. Je suis hyper content. On va faire quelques belles images et on va la remettre à l'eau, les amis. Bon, voilà. Remise à l'eau de cette petite koi. Je suis hyper heureux. Je suis le plus heureux là. On va y rendre sa liberté tranquillement.
On lui dit ramène ses grandes sœurs. Et on se retrouve pour de nouveaux poissons aussi beaux que celui-là. Bon voilà, petite fin de journée du deuxième jour de cette session. Donc bah, on totalise 5 poissons pour l'instant. Donc à partir de 11h30 ce matin, après la coille qu'on a prise, plus aucun départ, plus rien du tout. Donc grosse chaleur, ils avaient annoncé des grosses chaleurs, donc je pense que c'est à cause de ça. On voit les poissons, certains surgeant en surface, d'autres faire que de sauter, etc. Donc bah là on va attendre impatiemment la nuit, on va manger tranquillement et on espère faire du poisson. Et bah si on n'en fait pas cette nuit, on se retrouve demain matin au petit jour pour un débriefing de la nuit. Donc je vous laisse, à demain les amis. Voilà, après deux amours blancs, non pris en vidéo ni en photo, pour le son du poisson, je préférais le remettre directement. Donc là on a fait une petite miroir de 8 kg à la Apache de chez Serval Product. Le lien sera en description. Voilà, belle miroir bien dodu, massif, des poissons de souche. Excellent. On va prendre quelques images et on se retrouve pour la remise à l'eau. Voilà, on est à l'eau de cette carpe de 8,2 kg. Magnifique. Alors, prendre ses esprits tranquillou. Bon allez, on lui ramène ses soeurs et puis on se retrouve tout à l'heure pour les prochains poissons. Bon ben voilà les amis, j'ai essayé de vous présenter un joli amour blanc, un petit, assez encore excité, donc s'il ne veut pas se laisser prendre, je le remettrai directement à l'eau. Voilà, joli petit amour blanc. Bon, on va prendre des photos mais on va le remettre à l'eau parce que là il est assez excité. Bon ben voilà, j'ai pris une petite photo quand même. J'ai pris quand même une petite photo de cette petite amour blanc. Et on va le remettre à l'eau parce que il est encore assez excité et puis il a laissé épuiser. Voilà. Bon voilà, 10e poisson de ce 72 heures. Encore une petite carpe prise en pleine nuit. C'est souvent la nuit qu'on fait des petites carpes comme ça. Hop. Elle est assez excitée. On va essayer de vous la présenter quand même. Voilà. 7,2 kg. On va faire quelques images et puis on va la remettre à l'eau. Et puis on se reprend pour le prochain poisson. Bon ben voilà, 11e poisson de son petit 72 heures. Je sais pas si ça sera le dernier. Pour l'instant, on fait deux carpes en une heure d'intervalle. Une petite miroir cette fois-ci. De 6-7 kilos, pareil, dans les mêmes poids. Voilà. Ce beau petit poissonnet. Prise à la Apache. Le lien sera en description, comme je vous ai dit dans les précédente vidéo. Donc là on va faire quelques photos et la remettre à l'eau et puis on se reprend pour la remise à l'eau les amis. À tout à l'heure.
Voilà, remise à l'eau de la jaune du miroir. L'eau est hyper chaude. On va reprendre ses esprits tranquillou. Elle va repartir tranquillement. Et voilà, elle repart tranquillement. On lui ramène ses sœurs et puis on se retrouve pour le prochain poisson ou la fin de la session. Bon, voici le 12e poisson de cette session. Une commune massive tarte aux pommes de 12 kilos. Bon, ça, voici ce beau poisson prise à la pineapple nuts. On va la remettre à l'eau et puis on vous fait quelques images de la remise à l'eau. A tout à l'heure, les amis. Voilà, remise à l'eau de la petite 12 kilos. Impatiente de rentrer, de revenir dans son élément. Elle est impatiente, depuis tout à l'heure elle me fait la misère sur le tapis. Voilà. Elle repart gentiment. Après un combat de malade, sur le tapis et puis sur les cannes, elle repart tranquillement. Bon, on se retrouve pour le prochain poisson les amis. Bon voilà. Je sais plus. Bon voilà. 13e poisson. Jolie commune encore. Après deux belles miroirs et cette nuit. Voici cette belle coco bien dodue. Encore dans les 6-7 kilos. Bien abîmée par la frais. Super content. On va la remettre à l'eau. Faire quelques images. Et puis on se reprendra après les amis. Pour 25 départs, dont une carpe de 13 de 12 kilos, la plus grosse. Ce fut une belle session avec du personnel au top. Donc on reviendra et on se reprend pour les nouvelles aventures dans les autres étangs. Ciao.